D'abord, adressons nos sincères condoléances à la famille Touré, à la grande corporation des artistes de Guinée et du reste du monde. Le mot, on le dit, frappe toujours par cette émotion, cette perte brutale. Je ne pourrais que dire que rendre grâce à Dieu et qu'il reçoive Maurice Kanté dans son paradis éternel. L'homme était immense, immense. Il avait une conviction, il a travaillé et il a gagné son pari. Il peut aller reposer tranquillement aux côtés de sa maman, comme la famille d'ailleurs l'a souhaité. C'est ce que nous allons faire après cette levée du corps. Maurice Kanté, si vous voulez, c'est le sceau, je le placerai sous le sceau d'un voyageur. Un voyageur au propre du mot, au sens propre du mot. Et il a su voyager. Il a su voyager avec tout son bagage qu'il avait depuis son village à Albadaria, la pratique des instruments traditionnels, l'art oratoire. Ensuite, c'est son passage à Cancan, dans le mini-orchestre de Cancan. On ne le dit pas souvent, mais c'est là où il est sorti pour la première fois devant le grand public, ici même au Palais du Peuple, en 1968. Je parle de voyage parce qu'après la Guinée, 70, Maurice Kanté va prendre la direction du Mali, deuxième escale, au Mali, en sa qualité de balafoniste, bien sûr. C'est un musicien multidimensionnel, il joue de tous les instruments traditionnels. Donc, dans cette lancée, on l'a. Tidiane Koné, le chef d'orchestre du Raïban, l'a vite repéré. Et tout de suite, il a essayé de le recruter, il l'a même fait, il l'a recruté pour le Raïban. Nous sommes en 71-72. Et là, du balafon, Maurice Kanté devient guitariste soliste à la faveur d'un de leurs voyages à Dakar, où Nabé, le guitariste titulaire, va s'éclipser et tout de suite on va l'intimer à prendre la guitare. Alors il réussira. C'est-à-dire que tout ce que Maurice touche depuis qu'il est né, il le transforme en or. Guitariste, quelques temps après, Salif Oukid, Salif Keita, le Raïban et le micro revient de facto à Maurice Kanté. Alors depuis, il vole de succès en triomphe. Et après, c'est cet autre voyage pour la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il retourne sur les instruments traditionnels pour former un ensemble instrumental. Et il se produit dans des hôtels, je n'en citerai que deux, le Grand Hôtel Ivoire, et puis le Climbier, qui est très connu. Il s'y produit et après, c'est un voyage au Togo où il enregistre dans les studios Autodi. L'album à Kwaba Biche, dans lequel figure le morceau qui va faire le tour du monde. La première mouture de ce morceau est sur cet album, à Lomé. L'enregistrement se fait à Lomé. Alors, années 80, un autre voyage, cette fois-ci pour la conquête de la planète, c'est Paris. Paris est autre grande capitale culturelle. Alors à ce niveau, rien à dire, d'autres l'ont dit, ils ont été plus éloquents. C'est les grandes rencontres par exemple avec Barclay, qui est un major en matière de production musicale. Barclay est dirigé par Constantin, il signe ce gros contrat. Et justement, c'est à partir de ce contrat que Yeke va être enregistré. Vous connaissez ce que ça fait. C'était plus que, si vous voulez, un volcan musical ou une bombe musicale, mais pas pour détruire, bien sûr. Pour adoucir le cœur et puis rentrer en triomphe dans le quota des meilleurs artistes musiciens. Parce qu'il faut le dire. C'est pourquoi je n'ai pas cessé de dire que Maurice Kanté est un artiste musicien multidimensionnel et protéiforme. Donc la suite, vous la connaissez. C'est des milliers et des milliers de disques vendus. Le nombre de disques d'or, aujourd'hui, on n'arrive pas à le dire exactement, mais c'est entre 15 et 20 disques d'or. Personne ne l'a fait en Afrique.
comme Morikanté, mieux que Morikanté. Ça, c'est la principale leçon qu'on tire de sa carrière. Il est l'artiste africain qui aura vendu le plus de disques au plan planétaire. Alors, le griot électrique, vous avez compris d'ailleurs pourquoi. Prendre un instrument traditionnel qui sort des cours royales, la kora, qui est faite pour bercer, si vous voulez, les empereurs et les rois, prendre cet instrument sacré et mythique pour le placer très haut sur les scènes du monde, les grandes scènes du monde, les scènes les plus prestigieuses, il a fallu Morikanté. Donc il a ce mérite. Donc en plus d'être un chanteur qui aura fait bien son travail, c'est un instrumentiste qui aura porté très haut un instrument traditionnel au sommet de tous les instruments. Et l'alchimie s'est bien faite, puisque vous avez vu, il ne s'agit pas simplement de jouer de la musique traditionnelle et assaisonnée de musique pour se mettre au goût du jour, mais il faut savoir faire ce dosage intelligent entre tradition et modernité. Morikanté a réussi cela aussi. Disons, tout ce que Morikanté a touché est devenu de l'or et le résultat est là aujourd'hui. C'est bien triste, c'est bien dommage que Dieu nous l'ait arraché. Mais je crois que c'est parce qu'il était bon qu'il l'a rappelé à ses côtés. Monsieur Jeannot, vu les hommages qu'on lui a rendus à l'international, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Morikanté avait été compris par les Guinéens? Vous savez, en pareille circonstance, vous allez m'excuser, je ne voudrais pas. Moi, je suis de nature à rendre hommage, et d'ailleurs, c'est ce qui s'y est bien, à tout homme, toute personnalité. Quand il a accompli sa mission, je crois que nous ne devons pas rentrer dans certains débats. Être compris ou pas, moi je dirais oui, parce que la musique aussi c'est un problème de goût, c'est comme les couleurs. Ceux qui ont voulu le comprendre l'ont compris. Moi je fais partie de ceux-là et je disais au moment où j'animais que Morikanté c'était la plus grosse machine musicale. Je sais de quoi je parle. Morikanté a joué avec tous les grands du monde. Il a joué avec tous les grands du monde. Carlos Santana. Quand il a joué avec Carlos Santana, il m'a fait voir ses images. Et en studio, le travail qu'ils ont fait était fabuleux. Plein d'autres, les Quincy Jones et Shola Omar, ça ne finit pas. Donc, les autres l'ont compris et nous faisons partie de ces autres-là. Voilà. Pour moi, Morikanté a fait son travail. Et c'est à juste raison qu'il a eu la plus haute distinction en République de Guinée, derrière officier de l'Ordre national du mérite et la médaille du mérite culturel depuis 2010. Toutes nos condoléances.